batata, ba mama, ba pangi nyoso, ya lubomo, mbote la bena nyoso e! Papa Sassou, tu peux compter sur nous. Nous ne partirons pas à Brazzaville. Nous resterons ici, travailler la terre. C'est le refrain repris en chœur par ces militantes de l'Ouengo.
Grâce à l'opération Village Centre, la localité de Luengo compte une case de passage, un marché couvert, une salle polyvalente, une école de 4 classes avec 4 logements pour les enseignants, un dispensaire, une maternité et 2 logements pour les infirmiers. 12 jeunes, pour la plupart en provenance de Brazzaville, ont déjà regagné Luengo pour exercer dans l'agriculture. L'électrification de Luengo se fait à l'aide d'un gazogène équipé d'un moteur Mercedes fonctionnant à l'aide du bois. Le gazogène a été installé en février 1987 et il a une puissance de 75 kW. Et puis l'opération Village Centre a apporté l'eau potable aux habitants de Luengo, une eau claire et limpide que l'on peut boire sans aucune hésitation. Faisons confiance à cette fillette de 4 ans. Avec ses 10 villages satellites, Luengo compte 1512 habitants, dont 350 ici au centre. Le comité d'animation culturelle y dispose de 2 centres d'alphabétisation, d'une salle de télévision et organise régulièrement des tournois sportifs inter-villages. Le tout dans la paix des cœurs et la tranquillité des esprits instaurés dans notre pays depuis le 5 février 1979. C'est à Luengo que Denis Sassou Nguesso a exprimé sa détermination à poursuivre l'opération Village Centre. Il l'a dit en Lingala. Ponanga na kanisi esengo mingi na yawa pona kotala parce que les kamboi ya ba Village Centre bisoto lobi ango na ba plan na mikanda ba rapport makamondenge na ndenge na lingaki na mona pe na misonga moko. Lokola na moni boye na kanisi Toko le suko zonga simate. Projet ya ba village centre to bandi ango na minduli na le kana. Projet ango ya ba village centre ko ya la ba région nyoso libwa ya Congo. So to silisa ba boye to kenda ba district mususu ba région mususu na kansi to ko banda peut-être na Sembe, peut-être ko kenda na Musaka, peut-être na ba district mususu pe et à la projet ya Congo Mobimba. La localité de Kingwala, troisième étape de la visite présidentielle, est située à 25 km au nord de Minduli, sur la route de Kindamba. C'est une petite bourgade de 128 habitants pour le centre et 1164 pour l'ensemble du village. Comme dans les autres centres, une dizaine de bâtiments ont déjà été construits. L'enseignant ou l'infirmier affecté à Kingwala n'aura plus le prétexte du logement pour se dérober. Il y a un peu de tout. Marché couvert, salle de télévision, bibliothèque, etc. Tout ceci a été construit par les paysans eux-mêmes avec le concours technique des volontaires français du progrès. Vers 11h, le vendredi 25 mars, arrivé à Kingwala du président Denis Sassou Nguesso. Allez,
paysans de Kingwala, regroupés au sein de la COVICEM, coopérative des villages centres de Mindouli, ont tenu à exprimer leur gratitude au président Denis Sassou Nguesso et à son épouse en leur offrant un échantillon de chaque produit agricole du village. Cette caverne d'Ali Baba alimentaire, pour ainsi dire, est la preuve qu'à Kingwala, on est déjà à l'an 2000. En 1987, la COVICEM a produit 10 tonnes de maïs pour 900 000 francs et 10 tonnes de haricots pour 3 millions de francs. Salle polyvalente où est installée la télévision qui permet aux habitants de Kingwala de s'informer en même temps que ceux des villes. Et puis la bibliothèque de Kingwala. Notons que depuis un an, 6 familles des villages satellites se sont installées à Kingwala Centre, ce qui a fait voler en éclats la théorie de l'attachement à la terre des ancêtres. Enfin, dernière étape, Kindambangwedi, 48 km au nord-est de Mindouli. Autour de Kindambangwedi Centre se trouvent 18 petits villages satellites pour une population totale de 1298 habitants. Le centre, lui, compte 403 habitants. L'élevage est l'activité dominante, suivie par l'agriculture. 60 éleveurs pour 51 troupeaux et 1300 têtes de bovins. Ici également, même décor. Le programme a déjà réalisé des logements et des bureaux pour les agents de santé et de l'enseignement. Un marché, une boucherie, une salle polyvalente pour la télévision et la bibliothèque. Pour les travaux de construction, l'opération possède une presse à fabriquer des briques à l'aide du ciment et de la latérite. L'appareil produit 150 briques avec un sac de ciment seulement et 11 brouettes de terre. Enfin, l'adduction d'eau de Kindambangwedi se fait à l'aide d'un bélier hydraulique qui fonctionne sans gasoil ni essence, rien qu'avec la motricité de l'eau. Un appareil qui a frappé de stupéfaction l'ensemble de la délégation présidentielle. L'eau est tirée d'une source avoisinante. Avec cette visite dans le district de Mindouli, le président Denis Sassou Nguesso vient de voir la concrétisation d'un des objectifs du parti, à savoir la réduction des écarts entre la ville et la campagne. Et pour terminer, il s'est déclaré très satisfait du niveau d'exécution de l'opération Village Centre. L'opération, a-t-il réaffirmé, devra s'étendre sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, après les essais, les expériences qui ont été tentées dans ce district de Mindouli et les Kana, je pensais qu'il fallait venir voir. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très satisfait.
très satisfait de ce que les animateurs de ce projet, et les Congolais, comme nos amis les volontaires du progrès, ont bien maîtrisé aujourd'hui la philosophie du projet, complètement. En ce sens que nous avons réalisé dans ces villages les infrastructures avec la participation des populations elles-mêmes. Les populations ont intériorisé la philosophie du projet. Elles réalisent le projet avec nous. Et nous avons réalisé ces infrastructures, nous avons apporté l'encadrement, nous avons amené des changements dans les systèmes de production, de commercialisation, et nous avons amené l'animation culturelle et sportive dans les villages. Vous avez vu avec moi qu'il était peut-être plus agréable de passer la nuit à Luengo, n'est-ce pas? Il était plus agréable, je crois, de passer la nuit à Luengo que de la passer à Mindouli. Nous avions à Luengo des populations actives. Et nous avons à Luengo de l'habitat correct. Nous avons à Luengo l'eau, l'électricité. Et nous avons à Luengo, comme dans les autres villages et centres que nous avons visités, une importante activité de production agricole, d'élevage. Et nous sommes ici à Kindamba Ngwedi. Nous constatons que toutes ces activités se développent également dans ce village comme dans les autres. Et nous sommes heureux de voir qu'il s'agit des activités intégrées et aucun domaine de la vie, aucun domaine qui intéresse l'homme n'est laissé de côté. On ne s'occupe pas que de l'électricité, on ne s'occupe pas que de l'eau potable, de la santé, parce qu'on a conçu des infirmeries, etc. On ne s'occupe pas que de l'alphabétisation, on ne s'occupe pas que de la production agricole, que de l'animation rurale, mais il s'agit de toutes ces activités à la fois qui sont menées avec la participation des populations. Et vous avez constaté, je suis très heureux de le constater avec vous, que de nombreux jeunes, on les a rencontrés sur le terrain, de nombreux jeunes commencent à quitter les villes pour s'installer à l'intérieur du pays et se mettre à l'activité de production agricole. Et il est établi et qu'ils gagnent bien leur vie. Ils gagnent bien leur vie et eux-mêmes l'ont attesté hier et même aujourd'hui. Ils gagnent bien leur vie, mieux que certains fonctionnaires restés dans les villes. Et pour ma part, je suis très encouragé par le démarrage de ce projet. Et ici, dans le district de Mindouli. C'est le premier essai. Nous allons tirer les leçons de toute cette expérience déjà riche. Et le projet Village Centre, c'est un projet qui doit atteindre tous les districts du pays. Et avec un tel départ, je peux même dire des performances déjà enregistrées, il n'y a pas de doute que nous sommes bien dans l'axe de l'aménagement du territoire, de la reconquête de l'espace national. Nous sommes là, bien dans l'axe de l'amélioration des conditions de vie des masses à la campagne, donc du développement rural, et nous sommes dans l'axe de la réduction des écarts ville-campagne.
Et c'est tout un programme, c'est le programme de notre parti que nous suivons. Moi, je suis satisfait. Denis Sassou Nguesso, c'est une volonté. Volonté de servir les idéaux nobles, la solidarité, la liberté, la justice sociale, la paix, le tout se traduit par des actions concrètes et se matérialise par ses œuvres à travers le pays. Respectueux de l'intelligence dont est capable tout un chacun, pourvu qu'on la sollicite. C'est le message de progrès social, d'humanisme, tolérance, d'hospitalité et de solidarité dont le Congo, son pays, est porteur et qui s'enracine au plus profond de ses traditions. Nous avons décidé au niveau de l'organisation de l'unité africaine d'aller vers l'autosuffisance alimentaire et de donner toute l'importance à l'agriculture, et puisque nous avons même pensé qu'il était souhaitable de consacrer 25% de nos ressources nationales à l'agriculture. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. Je crois que il faut que le monde entier réalise que tant que toutes les populations, pas seulement les populations de certaines régions du monde, mais toutes les populations du monde n'auront pas relevé le défi de la famine. Et je crois qu'il pèsera encore un réel danger sur l'équilibre et même sur la paix dans le monde. Il a fait le choix d'une vie intense avec ses hauts et ses bas, une vie dont il a choisi de ne garder surtout que de bons souvenirs. Cette vie foisonnante, jamais mesquine, tout entière habitée par une généreuse lumière. Il a fait aussi du temps son allié, prendre le temps d'entreprendre, le temps de décider. Elle est aussi parfois contre-courant d'une vie convenue dans un monde qui presse, qui court, qui se cherche en permanence de nouveaux repères. Peu bavard, on ne connaîtra jamais toutes les peines secrètes qu'il porte en lui et qui de temps en temps assombrit son visage. La politique, il la prend au sérieux, exigeant, soucieux du moindre détail, il ne supporte ni l'improvisation ni l'approximation. Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n'est plus beau ni plus édifiant que le nôtre, mais eux du moins courent jusqu'au bout de leur destin, a dit Albert Camus. Au fond, Denis Sassou Nguesso est un homme dévoué. Il fait chaque jour sa part. Il a eu la vie qu'il s'est choisie. Mais mon infirmerie, d'abord, on va aller regarder ça. Moi, je continue sur vous. J'offre à l'État, j'ai offert à l'État une infirmerie et une villa d'infirmier à mes frères. Hein. C'est ça, non? Au Mofuma, il faut écouter. Toute l'école. Hein. Bon, maintenant vous. Pour mettre les quelques... On a même des microscopes, on va les mettre. Hier soir, j'ai eu la doléance, les gens ont dit, président, le médicament que vous m'aviez envoyé, que vous nous aviez envoyé, il n'y a plus rien. J'ai dit, j'ai prévenu le ministre de la Santé. Je vais vous le livrer. Mais non, je suis blindé. J'ai dit, je vais vous le livrer. Ce soir, je vais te livrer à des gens qui vont te manger. Non, je suis blindé la quantité. Je te livre aux gens. J'ai dit, si vous n'avez pas de médias, voici le monsieur qui vous tue. Non, je suis préparé en conséquence. Ah bon, d'accord. Là, après, je fuis. Hein? Je te laisse à Edou, je vais à Oyo. Eh bien, voilà. Thank you.
Il a une famille qu'il aime et qui, à son tour, l'aime aussi. Oui, la famille chez Denis Sassou Nguesso est une science sacrée. Sa personnalité garde forcément la trace de l'identité familiale. C'est pour lui une évidence, une vraie famille africaine, très attachée aux traditions et aux valeurs. Parce qu'ici, avec les parents, on se construit ensemble, en subissant les mêmes influences et en partageant des valeurs qui finissent par faire partie intégrante de la vie et de l'histoire de la communauté. Ce fonds commun crée des liens solides et très précieux. Et tout ceci favorise un esprit de partage et de proximité qui ne s'altère pas au fil des années.
Un proverbe chinois dit qu'on mesure une tour à son ombre et les grands hommes au nombre de leurs détracteurs. Oui, il a toujours refusé le fatalisme qu'il considère comme l'antichambre du déclin. Messieurs attachés militaires, je voudrais, à l'occasion du 20e anniversaire de l'Armée populaire nationale, vous redire, et puisque je l'ai déjà dit, lorsque je m'adressais aux cadres et combattants de l'Armée populaire nationale, vous redire combien nous attachons une grande importance au rapport qui existe entre notre armée et les armées et des pays que vous représentez. J'ai dit que au fil des années, les rapports entre nos armées se sont développés, que la coopération entre nos armées a pris chaque fois des dimensions nouvelles. J'ai dit toute notre gratitude au sujet de la contribution que vos armées respectives apportent dans la formation de nos cadres, et le soutien que vos armées respectives nous apportent dans d'autres domaines touchant à la logistique, touchant aux rapports politiques, touchant aux aspects culturels, etc. Je suis persuadé que dans ce monde aujourd'hui trouble, les forces qui luttent pour la paix et l'entente entre les peuples triompheront toujours. L'histoire nous en donne des exemples bien vivants. Ce sont les forces de paix et de progrès qui ont écrasé le nazisme, le fascisme. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, les forces de paix et de progrès viendront à bout de l'apartheid. Et je sais que les gouvernements des pays que vous représentez sont aux côtés des peuples africains, sont aux côtés des peuples de l'Afrique australe dans leur lutte contre l'apartheid. Et je voudrais, à l'occasion du 20e anniversaire de l'Armée populaire nationale, lancer encore une fois ce message de paix. Parce que la ligne politique de notre parti est une ligne de paix, mais elle est aussi
une ligne de combat aux côtés de tous les peuples qui luttent pour leur liberté et pour leur dignité. Je voudrais vous demander de transmettre aux dirigeants des armées que vous représentez ce message de paix, d'amitié et de coopération. Je vous remercie. Le président Sassou Nguesso m'a envoyé dire à Sankara, attention, tu ne peux pas te battre à la fois contre Oufouet et Adama. Attention, attention, attention. Plusieurs fois. Mais il répondait que le destin est plus fort que l'individu. Je tiens ça de lui. Il faut le suivre, suivre sa voix, suivre ses mots. M-O-T-S-M-A-U-X. Oui. Je voudrais, au moment où vous allez quitter le Burkina Faso pour la continuation de votre long périple, je voudrais demander aux camarades congolais, journalistes congolais, d'être des fidèles interprètes du peuple burkinabé auprès du peuple congolais, pour dire à ce peuple que nous aimons tant que le Burkina Faso n'a aucune considération, aucun respect pour les milliers de kilomètres qui nous séparent. Au contraire, le rythme auquel vous vibrez, le rythme révolutionnaire, est celui-là qui nous anime ici également et qui fait que nous nous sentons très proches de vous, proches de votre expérience, proches de votre lutte. Hier, nous connaissions le Congo à travers des activités musicales, sportives, qui ont fait du reste en partie le prestige de votre pays. Aujourd'hui, je vous dirais que nous avons dépassé de très loin ces considérations exclusivement bourgeoises pour voir à travers cela la dignité, la fierté d'un peuple qui ne s'assume et ne se réalise que parce que des idéaux clairs, des idéaux révolutionnaires sont à l'horizon, qui sous-tendent tous ces efforts. Je voudrais que chaque Congolais se sente très proche de chaque Burkinabé et sache qu'à tout moment, nous, Burkinabés, nous considérons en tout cas comme vos frères et directement comme vos frères. Le camarade Sassou Nguesso est un infatigable combattant de la liberté, un infatigable combattant aussi pour la paix. Et ce n'est pas par intention de blesser la modestie de vous, Congolais, en particulier de lui-même, le camarade Sassou Nguesso, que je dis cela, mais c'est une réalité que je voudrais constater. L'Afrique a besoin de lui. L'Afrique a besoin du camarade Sassou Nguesso parce que il sait avec tact dire ce dont nous avons besoin. Il sait aussi avec courage prendre le glaive contre les ennemis que nous connaissons et que peut-être certains se gênent à dénoncer. Ce n'est pas seulement un fils du Congo, c'est un fils de l'Afrique. Je voudrais remercier tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement avec lui, les camarades membres du parti et tous les autres accompagnants. Et vous avez pu constater qu'au cours de votre séjour, à certains moments donnés, parce que nous étions avec les masses populaires, eh bien, nous ne savions plus où se trouvait le président, qui était le journaliste, l'agent de sécurité ou le musicien. Nous étions noyés dans la masse parce que véritablement nous avons affaire à l'homme des masses. Changer de base, nous ne sommes rien
soyons tous. C'est la lutte finale. Nous allons demain. La annoncer l'arrivée au boulevard des armées du camarade président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef du gouvernement, général d'armée. Bayeb Sibiso, Bokomi, Boa, général d'armée, Denis Sassou Nguesso, Azali, na Molato, Kitoko Pinza, Pe Batobanso Batelemi, Fonakopesa Mbote. Pendant qu'on passe à l'Osako, na Mokambi, comité central, général d'armée, Denis Sassou Nguesso. Basoda, na Miziki, Batandami, pe bazali ko pesa mbote, na Mokambi, comité central. Pembeni na ye, Moninga, Jean-Michel Bokamba, Yanguma, wa bureau politique, Mokambi, CSC. Mokambi comité central, à côté lema, au Liboso, lia Bendele, ya Ekolo Kongo. Bato Banso, Batelemi, pona kopesa lokumu, na Mokambi comité central, yemei akokamba lelo, ingambe ya défilé, ya 1er mai 89. Éclectique et réaliste dans le domaine politique, il a le sens de l'anticipation, une extraordinaire capacité d'adaptation aux changements sociétaux, une lecture et une analyse pragmatique des contextes. Camarades, les témoins de notre histoire le savent. Les journées des 13, 14 et 15 août 1963 furent aussi celles du soldat. En effet, au sein de ce peuple déterminé, irréversiblement lancé à l'assaut du pouvoir néocolonial, l'uniforme était présent. Ce n'était guère une partie de plaisir. Les risques étaient là, en face.
Tous en étaient conscients. Mais les choix étaient faits. Ces jeunes de cette jeune armée savaient que la cause du peuple était la leur. Ils savaient qu'ils étaient du peuple. À partir de là, dans mes esprits, l'armée nouvelle commençait à prendre corps. L'armée du peuple était en gestation. Plus tard, l'élan de ces journées devait se concrétiser par la loi du 22 juin 1966, l'acte de naissance de l'armée populaire nationale. Le colloque à l'armée établit par la suite la direction du parti dans l'armée, l'unité entre l'armée et le peuple. Une nouvelle mentalité devait voir le jour. La notion de soldat du peuple était solennellement affirmée. Au lieu d'être mécanique, l'ordre et la discipline devaient devenir le fait d'une conscience révolutionnaire. Ainsi modelée, notre armée a accompli avec honneur ses nouvelles missions. Oh,
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité à Grand Angle. Mesdames, Messieurs, c'est l'histoire d'un homme, Denis Sassou Nguesso. C'est notre histoire aussi, et elle est essentielle à la compréhension de notre époque. Nous réapproprier notre passé pour mieux évaluer les enjeux de notre temps et contribuer à dessiner un avenir meilleur. Ainsi va le monde, ainsi va la vie. Pensée du jour, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Point de citation. Thomas Sankara. Mesdames, Messieurs, c'était Denis Sassou Nguesso dans Un homme, un destin. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour à la même heure. Et toujours avec le même plaisir, d'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien, bonne soirée à tous et bonne suite de programme sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres, car chaque jour est une nouvelle vie.